Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez Job & Box à l'agence de Dinan, suivez-moi. Bonjour Jessica. Bonjour Jerry, bienvenue dans les Côtes d'Armor. Bah merci beaucoup, il paraît que tu as une nouvelle mission pour moi aujourd'hui. Tout à fait, j'ai un poste d'électricien à te proposer chez Atout Confort à Dinan. Ah bah écoute, mission acceptée. Eh bien voilà tes chaussures, Denis t'attend sur le chantier, je compte sur toi. Merci. Salut Denis. Salut Jerry, comment on va? Bah super, écoute, je suis ravi de découvrir ton job et de bosser avec toi aujourd'hui. Merci de venir m'aider aujourd'hui sur mon chantier. Bah ouais, génial. Alors c'est sympa. Explique-moi en quoi consiste ton métier d'électricien. Alors dans le boulot électricien, on part d'un point A à un point B, on passe des câbles électriques, on les attache, on ramène tout à l'armoire. Donc on branche dans l'armoire. C'est l'armoire électrique. Le point A c'est l'armoire électrique, et le point B c'est les lumières, les prises, interrupteur, machine, intérieur, extérieur. D'accord. Voilà, on protège le câble via l'armoire, les personnes et le matériel. Là, on voit tous les câbles, les prises, les blocs secours pour l'évacuation des personnes en cas de problème, les machines qui sont un peu partout. On va aller poser les luminaires. C'est parti. Bon, et toi, tu as quoi comme formation pour en arriver là? Alors moi, j'ai une formation technique à partir de la troisième, CAP, BEP et bac électrotechnicien. Après, il y a encore un BTS, mais bon, je pense qu'avec un niveau bac, déjà, on s'en sort très bien. Donc on met des systèmes d'accroche sur notre chemin de câble qu'on a passé dans ce qu'on appelle pour nous le gros œuvre, la distribution électrique du bâtiment. Un petit coup de main. Un petit coup de main, Jerry, merci. C'est un petit peu lourd, je suis d'accord avec toi. Et tu travailles toujours tout seul? Non, on est souvent en binôme. Hop là. Bon, le premier qui a fini, il a gagné. Hein. C'est gagné pour moi, Jerry. T'as gagné. Voilà, on le met de niveau. Et après, on n'aura plus qu'à raccorder électriquement. Ah. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job, vraiment? La polyvalence du travail. C'est jamais la même journée? C'est jamais la même chose. C'est toujours très diversifié. On fait aussi bien du courant fort, c'est-à-dire lumière, prise, machine, que du courant faible, c'est-à-dire incendie, alarme, intrusion, ou des réseaux informatiques. Okay. C'est ça qui est génial dans l'autre métier. C'est jamais pareil. Voilà. Il faut souvent être, c'est ce que je disais. Bricoleur quand même. Très bricoleur. Système D. Manuel. Et tes horaires, c'est quoi dans la journée? Tu commences tôt? Non, on fait les horaires de l'entreprise, c'est 8h midi. Ok. 1h30, 5h30. Ça nous arrive de déborder un petit peu parce qu'on n'est pas forcément un quart d'heure près pour finir un truc qui nous embêtera le lendemain. Bon, toi, Denis, tu es plutôt habitat, tertiaire ou industriel? Alors, tertiaire, j'ai goûté à tout, mais c'est plutôt le tertiaire qui me... Comme ici. Comme ici. Et voilà. Pourquoi? Et pourquoi? Bah, parce que le boulot est très diversifié. On partage les réunions de chantier, on fait du relationnel avec le client, les cabinets d'architectes et tout. Tu vois, maintenant, ton chef ou t'appelles et l'archi ou le client te pose la question à toi et ton patron, il te dit... Ben, voilà, pleinement. Fait. Ils nous investissent carrément dans le truc. Okay. C'est vachement... C'est ça qui est aussi très intéressant. Okay. Tu participes aux petits problèmes qu'il y a à résoudre. Tiens, il faudrait faire ci, ça, machin, bidule, comment on peut faire? Tiens, Denis, est-ce que tu as une solution? Quelle est ta satisfaction à la fin d'un chantier comme celui-là? Le sourire du client quand il te tend la main en disant merci beaucoup et la prochaine fois, je vous veux. Toi? Moi. Voilà. Super. Bon, Denis, ici, dernière étape, c'est ça? Dernière étape. Explique-moi. Eh bien là, on va raccorder le câble du luminaire. Ok. Voilà. Donc? Donc, le fil bleu sur la borne, le marron sur l'autre borne. Bouton rouge. Non, il n'y a plus de bouton rouge. Il n'y a plus de bouton rouge, c'est fini. C'est moderne. C'est moderne. Ok, bon, je tiens. Et je ne vais pas me prendre une patate, là? Non, pas du tout. Tu es protégé. Par toi? Non, par l'armoire. Ok. Voilà. D'accord. Bon, et dis donc, ce n'est pas l'image que j'en avais, moi, du bâtiment. Non, c'est le bâtiment, maintenant, c'est bon air. Tu vois, on est propre et tout. Le bâtiment, c'est cool, maintenant. On travaille en intérieur. Tu travailles un peu en extérieur aussi? Ça nous arrive de travailler en extérieur. Okay. Mais bon, on a des équipements pour, donc voilà. Bon. Allez, on balance le jus? On balance le jus. C'est où? C'est ici. J'appuie. Ok, c'est parti. Bon, super, ça marche, Denis. On a la lumière à tous les étages maintenant? Merci, Jerry. Bah, merci à toi pour cette expérience. Moi, j'ai adoré. Si vous aussi, vous avez envie de devenir électricien et de bosser dans l'équipe de Denis, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.